Bonjour à tous, ici Eliott Dépannage Informatique. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un Twix Cydia. Donc ça fait pas longtemps que je me suis remis donc au jailbreak. Et donc je vais continuer à vous présenter des tweaks. Alors ce tweak là, ça s'appelle Flip Over. Donc Flip Over, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à verrouiller son iDevice, tout simplement en le posant comme ça sur le bureau. Alors voilà, bah, vous venez de voir l'exemple. Donc je vais vous présenter ça. Vous allez tout simplement sur Cydia. Vous allez taper Flip Over. F-L-I-P-O-V-E-R. F-L-I-P-V-O-E-R. Voilà, comme ceci. Donc disponible iOS 4 et iOS 5. Alors, une fois que c'est fait, donc vous l'installez, vous confirmez. Il va refaire un démarrage du Springboard. Donc tout va se passer dans les réglages. Hein. Il n'y aura pas d'application sur le bureau, sur le Springboard. Habitué avec l'ordi de dire ça. Alors donc flip over, voilà. Donc vous pouvez faire lock. Alors lock, ça va être tout simplement pour le verrouiller. Vous activez le mute. Mute, c'est tout simplement ne pas avoir le bruit de verrouillage. Ensuite automatic unlock, tout simplement pour qu'il se déverrouille automatiquement et qu'il vous redirige pas une fois que vous avez retiré l'écran du bureau ou de la surface sur cette page là. Alors voilà. Ensuite, sensitivity, c'est tout simplement, il va sentir quand vous posez, etc. Il va être plus sensible, voilà, ou plus ou moins sensible. Je vais mettre height quand même, voilà. Vous avez fresh rate, alors vous choisissez 2, 5, 10 ou 20. C'est tout simplement tous les 5 secondes, par exemple, il va réactualiser votre iDevice pour voir si vous l'avez enlevé du bureau. Alors voilà, tous les 5 secondes ou tous les 2 secondes, hein. Mais la batterie, bien sûr, elle en prend un petit coup. Et debug mode, c'est pour afficher une console, mais ça j'ai pas très bien compris. Donc voilà, on va faire le test. Donc je vais à mon avis vous prendre en manuel parce que ça va être un peu dur de vous montrer le trépied qui est tombé. Alors on va faire comme ceci et vous allez bien voir. Voilà, et hop, alors attendez. Avec la coque, il a du mal à prendre. Alors, il a un peu de mal à prendre, on dirait. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la coque, tout simplement. Voilà. Comme la coque, il y a un gros bourrelet sur les côtés, il a peut-être un peu de mal. Voilà. Hop. Bon, alors, il prend. Ou pas, c'est... Ah, je vais pas appliquer les réglages. Voilà. C'est très 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 bizarre. Ah voilà, vous le voyez. En fait, je le voyais pas. Ouais, je le voyais pas. Donc en fait, il a bien pris. Et c'est qu'il est très rapide à se verrouiller, déverrouiller en fait. Vous pouvez le voir comme ça. Voilà, vous le voyez pas à la caméra. Hein. C'est. Ouais, vous le voyez pas. Non, vous le voyez pas à la caméra. Faut qu'il soit complètement aplati en fait. C'est pour ça. Mais bon, il marche hein, parce que je le vois. Je vous raconte pas une connerie. Il marche bien. Donc vous pouvez visiter mon site internet Eliott Dépannage Informatique, directement accessible depuis Google. Vous abonner à mon Twitter, à mon Facebook, à mon YouTube et à ma galerie Flickr. Merci.